Bonjour Loïc Mendes. Bonjour, comment célébrité. Ben, c'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois parmi nous dans ce nouvel épisode du GC Sport. Le plaisir est partagé. Alors, un nouveau sélectionneur à la tête des Panthères du Gabon. Que pensez-vous du profil de Thierry Mouyuma qui va désormais diriger cette équipe? Je pense que c'est un très bon casting. Thierry Dedonné Mouyuma est une ancienne gloire du football gabonais qui a d'ailleurs été capitaine de cette équipe des Panthères du Gabon à l'époque Azingo National. Donc il a le profil pour diriger cette équipe, il a les capacités, il a la connaissance mais surtout l'expérience de la tanière. Je pense que c'est un très très bon casting. Alors demain à Franceville, les Panthères du Gabon vont affronter le Kenya. Comment voyez-vous cette rencontre? C'est une très bonne rencontre, c'est une rencontre piège aussi. On sait que cette équipe, ces équipes de l'Afrique de l'Est ont pour elles la capacité à ne rien lâcher. Elles aiment souffrir, elles aiment courir, elles ne se reposent pas assez, elles donnent beaucoup. Donc il va falloir que les Gabonais soient très 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 prudents, ne pas se laisser piéger par un but contre le cours du jeu ou encore des actions inopinées. Il faut que les garçons soient concentrés, encore que la non-qualification pour la CAN en Côte d'Ivoire est encore fraîche dans les esprits des joueurs, mais aussi du peuple gabonais qui doit en vouloir à ces Panthères-là. Donc il faut, c'est une session rachat, ce match est une session rachat. Je pense que les joueurs le savent, le staff qui a été nommé à la tête de cette équipe le sait aussi. Il faut aller chercher la victoire à Franceville. Il faut gagner pour essayer de se réconcilier avec le peuple gabonais qui devient très exigeant avec cette équipe-là. Alors, à deux jours de cette rencontre, deux joueurs ont été exclus de l'équipe. Il s'agit de Aaron Boupenza à l'avant-centre et Didier Ibrahim. Pensez-vous que c'est la discipline qui manquait à cette équipe pour produire les résultats attendus par les fans et les supporters du Gabon? La discipline n'est pas que. Je pense qu'il a toujours manqué au Gabon ces hommes capables de faire respecter les lois et faire respecter les consignes. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction de cette équipe nationale, je pense qu'on va avoir du fil à retordre avec le recalcitrant, mais j'ai surtout pour moi la confiance de savoir que ce sont des garçons qui ont connu le haut niveau, qui ont été à ces postes-là, qui ont été joueurs eux-mêmes, qui savent ce que c'est la discipline. Thierry Dedonné Mouyuma, pour ne citer que lui, est un garçon très discipliné. C'est un monsieur qui a beaucoup de valeurs, qui est très 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 respectueux des valeurs du football. Donc c'est normal, hein. Je pense que aujourd'hui, avec la nouvelle vague qui souffle au Gabon, avec cette arrivée au pouvoir du CTRI qui veut remettre les choses à plat, qui veut redonner au Gabon ses lettres de noblesse, c'est bienvenu. Je pense qu'il a manqué la discipline, mais il a surtout manqué les hommes pour faire respecter justement les lois et la discipline dans ce pays et dans tous les secteurs, justement. Alors, à quoi s'attendre demain à Franceville, selon vous? À Franceville, je l'ai dit, hein, on a besoin d'une victoire. Une victoire ferait du bien, non seulement aux hommes de Thierry, mais aussi au peuple, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui a une petite dent contre son équipe nationale pour ne pas s'être qualifié pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était un nouveau challenge pour nous, sachant que on n'avait pas fait bonne figure chance au Cameroun et que on n'a pas été bon dans les derniers rendez-vous auxquels on a participé. Le Gabon avait besoin d'aller en Côte d'Ivoire. On n'y est pas allé. Cette fois-ci, on va chercher une qualification pour 2026 au Mondial. Il faut, et ce serait bien de prendre déjà 3 points. Je pense qu'un long voyage commence par un premier pas. Il faut le faire. 3 points à Franceville seraient les bienvenus. En tout cas, c'est ce que le peuple attend, c'est ce que les joueurs attendent, c'est ce que le pays attend. Merci Loïc Mendes. On rappelle que vous êtes journaliste sportif et correspondant de plusieurs médias internationaux. On vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode de GC Sport. Merci, c'est moi qui vous remercie, Gabon Célébrité. À bientôt.